Incroyable, c'était un choc pour moi, je ne m'y attendais pas du tout, j'avais une promo exceptionnelle, des jeunes femmes exceptionnelles, autant que moi, et honnêtement, je suis hyper reconnaissante de l'avis de Saint-Raphaël, du jury, parce que c'est une aventure exceptionnelle que très peu de femmes ont la chance de suivre, et vraiment, je ne sais pas comment remercier tout le comité, Miss Provence Alpes-Côte d'Azur, et je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, et j'aimerais de tout cœur honorer cette petite couronne que j'ai sous la tête, et peut-être la remplacer par la grande couronne de Miss France, ce serait exceptionnel. C'est un petit peu atypique, surtout que j'ai fini, donc oui, j'ai commencé à exercer. Je n'ai pas peur de diminuer mon activité, et peut-être, qui sait, de la reprendre plus tard, parce que j'aime énormément aussi mon métier. Mais c'est vrai qu'une aventure comme ça, ça passe devant tout, et je la mettrai de côté sans souci. Et avec vraiment beaucoup d'amour, je donnerai tout ce que j'ai à donner pour Miss France, pour Miss Provence, déjà dans un premier temps. Et vraiment, je n'ai aucun regret. Et j'espère n'en avoir aucun, du coup, et vraiment me donner au maximum, de A à Z.